toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te présenter ce merveilleux oracle où l'ange m'a inspiré et une petite toile de ma grand-mère qui était complètement dans le thème et que j'ai souhaité intégrer dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme je viens de te le dire, je te présente le Sweet Ladies Oracle créé par Célia Melléville. Donc c'est une personne qui a un site internet et qui fait notamment des formations, avec une boutique bien évidemment, puisque c'est sur son site que j'ai acheté cet oracle. Elle possède également un compte Instagram et je te mettrai tous les liens en correspondance avec cette personne en barre d'informations si tu souhaites aller plus loin. Mais je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Donc c'est un oracle basé principalement sur le relationnel. Vous pourrez faire des tirages relationnels, des tirages psychologiques entre deux personnes. C'est du moins ce dont je m'en sers. Donc j'apprends petit à petit, parce qu'il est quand même particulier. On ne peut pas faire un tirage d'avenir sur le plan professionnel. Enfin, on ne peut pas. On est libre de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. Mais voilà, de ce que j'ai pu comprendre que lorsqu'elle a expliqué l'état d'esprit dans lequel elle a créé cet oracle, plus sur le thème relationnel et psychologique. Donc, il est sorti l'année dernière, il me semble, en automne, octobre-novembre peut-être. Je me le suis offert pour Noël en fait. Donc, je regrette pas du tout cet achat parce que il est très doux, il est distingué, très féminin, même si des hommes peuvent l'utiliser complètement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est quand même basé sur le relationnel psychologique, comme je vous expliquais auparavant, très féminin, très distingué, très soigné. Tout comme l'emballage d'ailleurs dans lequel on reçoit les oracles. Je vous aurais mis juste avant une photo de l'emballage très soigné de Célia Melléville, pardon, avec du papier de soie, un petit autocollant, le ruban, tout. Donc cet oracle se présente, il n'est pas très grand. Hein. La boîte n'est pas très grande, les cartes non plus, donc c'est très très bien au niveau de la manipulation des cartes, c'est parfait. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci, aux couleurs pastel, très très vintage. Vous verrez, elle s'est inspirée de différentes peintures de plusieurs artistes d'antan, comme dirait l'autre. Donc là, nous avons en premier lieu l'illustration de la carte de l'amitié. Donc au niveau du packaging, pardon, nous sommes sur du mat et de l'argenté. Alors, je ne sais pas, ça brille un petit peu, on s'en rend mieux compte sur les côtés. Voilà, là on aperçoit un petit peu la brillance sur les bordures. Voilà, ici nous avons le dos des cartes, donc ce sont des roses. Et là nous avons, voilà, là on voit mieux le mariage entre le mat et le brillant, l'argenté. Très joli. Et là, c'est donc l'emblème, le symbole de Célia Melléville que nous pouvons retrouver, que nous retrouverons d'ailleurs en bas de chaque carte. Voilà, c'est un oracle bilingue, donc c'est très bien, comme ça il peut toucher plus de monde. Voilà, si vous souhaitez faire une pause pour lire le dos de la boîte, allez-y. Voilà. Donc cet oracle s'ouvre sur le côté de façon aimantée. Et voilà. Et j'ai déjà perdu, hop, les petites choses. Donc très très bonne qualité parce que même lorsque le ruban est à l'extérieur, puisque oui, il y a un ruban, la boîte ferme complètement. Donc bien hermétique. Donc très très bonne qualité. Et alors ce qui est bien, ce qui m'a incité encore plus à acheter cet oracle, c'est déjà le thème et les illustrations qui sont juste sublimes, magnifiques,
presque exceptionnelle. C'est qu'une partie du prix de cet oracle est reversée à une association caritative, pardon, pour les femmes. Donc ça, c'est toujours un plus qui n'est pas négligeable, et c'est vrai que voilà, quand je peux participer à mon niveau à la bonne vie des femmes, je le fais, entre autres des femmes et des animaux, bien sûr. Donc là, voilà, quand vous achetez cet oracle, une partie du prix de cet oracle est reversée donc à une association caritative pour le bien-être, le bonheur des femmes. Voilà, donc cette boîte s'ouvre sur le côté de façon aimantée. Nous avons à l'intérieur encore la représentation du dos des cartes, donc très joliment illustrée. Nous avons un texte d'introduction en bilingue, bien évidemment. Je vous le lis. Regarde dans le chat d'une aiguille ce qui t'est destiné. Glisse-y le fil qui te servira à créer la dentelle de ton avenir et avec dextérité deviens la tisseuse de ta vie. Donc très poétique, très dans le thème. Ensuite, je vais me permettre de décaler un petit peu cet ange, le mettre par là. On va essayer. Voilà. Faire les choses comme ceci. Donc nous avons une carte de la créatrice, donc Célia Melléville. Voilà. Alors n'hésitez pas à faire des pauses hein, si vous souhaitez lire tranquillement ce qu'il est écrit ou ne serait-ce que pour admirer les cartes quand je vais vous les présenter parce qu'elles sont vraiment, elles sont magnifiques. Alors, elle n'a pas fait du copier-coller au niveau des illustrations, des peintures. Elle les a quand même retravaillées. Hein. C'est pas juste un copier-coller. Il y a quand même un sacré boulot derrière. Hein. Voilà. Donc ensuite, nous avons la numérotation. Donc sur 1400 exemplaires, j'ai eu le 229e. Nous avons la carte du remerciement au dos, qui est une des dernières cartes, il me semble. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit combien il y avait de cartes. Et il y en a 40, 45, 46, il me semble. Donc ensuite, nous avons un pense-bête qui regroupe les mots-clés de chaque carte. Donc ça, c'est bien, c'est toujours un plus. Et il y en a 50, voilà, vous voyez, je vous disais 45, non, il y en a 50 cartes. Donc comme ça va plus vite. Alors après, moi, ce que j'ai fait, ça m'a pris un peu de temps, mais bon, j'ai voulu le faire. C'est que ben, j'ai pris mon cahier, comme d'habitude, et j'ai regardé chaque carte, j'ai analysé chaque carte, et j'ai fait de mon côté les mots-clés, et de l'autre, l'interprétation que se fait Célia. Comme ça, j'ai eu un comparatif. Et je me rends compte que, à part quelques cartes, la majorité des cartes, j'avais une bonne interprétation. Alors ça demande pas mal de concentration et de visualisation. Donc ensuite, nous avons le livret qui est tout doux, tout comme les cartes de toute façon. Voilà, qui est mat. Donc d'un côté, le livret en français et de l'autre en anglais. Donc moi je trouve que c'est très bien les oracles comme ça qui sont bilingues parce que du coup ben, ça permet de toucher plus de monde et c'est bien pour la créatrice ou le créateur. Voilà, en l'occurrence c'est une créatrice. Donc le livret se présente comme ceci, on va le prendre en français, c'est beaucoup mieux. Enfin pour moi. Nous avons un petit texte d'introduction qui nous raconte une belle et douce histoire que je vous laisserai découvrir. Je vais quand même vous lire un petit passage. Cher ami, quelle joie d'enfin prendre la plume pour vous écrire ces quelques mots. Certes, notre installation à la campagne m'apporte le calme tant attendu après cette si réjouissante et prometteuse saison. Toutefois, le temps semble se dérober à la suite de nos différentes obligations. C'est magnifique. En fait, c'est une histoire qui
qui explique ses cartes pour se mettre dans l'ambiance. C'est très, voilà, c'est très voluptueux, c'est très distingué, c'est soigné, c'est joliment expliqué, exprimé. Ensuite, nous avons un chapitre sur comment vous relier avec vos cartes, où il est important de passer du temps avec les cartes, de s'imprégner des énergies. Nous avons également comment utiliser les cartes, comment formuler la bonne question et les cartes renversées. Donc là, en l'occurrence, dans cet oracle, il n'y a pas de signification de carte inversée. Il y a uniquement les cartes, les langages en carte droite. Ensuite, nous avons différentes propositions de tirage. Nous avons la doyenne qui se fait à une carte, que nous pouvons faire le matin, par exemple, qui peut nous donner un conseil sur la journée à venir. Nous avons la carte du lady, le ruban et le gentleman. La lady, pardon, le ruban et le gentleman. Tirage à trois cartes. Et enfin, le tirage de la dentelle qui se fait en sept cartes. Vous tissez votre propre dentelle à chaque instant de votre vie, à travers vos choix, vos rencontres, votre façon de prendre la vie. Ce tirage vous permettra de faire un point sur là où vous en êtes dans votre tissage. Et enfin, le message des cartes. Donc il y en a 50. Ensuite, nous avons un chapitre, un paragraphe sur les remerciements, où elle remercie sa famille, ses amis, sa communauté pour votre amour et votre soutien. Et elle précise, comme je vous l'ai dit auparavant, en achetant ce jeu, vous soutenez également la cause des femmes, car une partie des bénéfices sera reversée à une œuvre caritative qui se bat pour la liberté des femmes et s'élève contre l'excision et le mariage forcé. Nous avons une jolie photo de Célia, ensuite, où nous avons quelques lignes sur son parcours professionnel et spirituel, bien évidemment, et les liens vers son site et sa page YouTube. Nous avons également, parce qu'il ne faut pas le négliger, les artistes des peintures qui sont représentés. Et je vous rappelle qu'elle a retravaillé les peintures, elle n'a pas fait un copier-coller. Et voilà, et donc après, nous avons la même chose in English. Et enfin, nous avons les cartes. Hop. Donc, je vais te présenter les cartes. Et ensuite, ben, je reviens. Je reviens dans 3 secondes pour toi. À tout de suite. Vous voyez, j'ai voulu repartir et il y avait une carte qui s'est retournée. Eh bien, écoutez, on la verra tout à l'heure. Hop, allez, c'est parti.
Voici donc pour la présentation des cartes. Donc comme tu l'as peut-être remarqué, je ne les ai pas classées par ordre. Elles sont numérotées, mais je ne les ai pas classées par ordre parce que j'ai estimé que ce n'était pas forcément nécessaire. Cela étant, c'est un plus parce que c'est pratique quand on veut rechercher la signification de l'illustration. Mais pour la présentation, je n'ai pas estimé nécessaire qu'il fallait que je les numérote. Donc au niveau de la qualité des cartes, on va en parler parce que c'est quand même assez... C'est la première fois, je crois, que j'ai un jeu où les cartes sont très douces. C'est comme du velours. Et je crois que c'est un petit peu sa marque de fabrique parce qu'il me semble que sur d'autres de ces jeux qu'elle vend, il me semble, d'après ce que les gens disent lorsqu'ils présentent les cartes, c'est la même chose. Donc les cartes sont très douces, elles sont douces, elles sont comme le thème de cet oracle. Le dos des cartes donc est comme ceci, comme je viens de vous le montrer, de te le montrer. Au niveau de la grandeur, voilà, on est pas mal. C'est classique. Il est très joli. Je ne regrette pas du tout cet achat. Il me correspond complètement. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà. Ah ben voyez, je voulais vous en parler de cette carte. À la base, cette carte est beaucoup plus sombre et elle a retravaillé de façon. Elle a joué avec les couleurs, elle a retravaillé les couleurs de façon à ce que les personnages ressortent. Hop. Donc, vous voyez, la passion,
Donc en bas de chaque carte, comme je vous le disais en début de vidéo, voilà, c'est le symbole de Célia. L'emblème de la royauté, ça me fait penser à ça. Bref, voilà. Alors, je vais vous lire l'interprétation que se fait Célia par rapport à la carte donc, qui s'était retournée juste avant que je vous présente ces cartes. Donc, c'est la carte numéro 13. Donc, si on prend, comme ça vous donnera un ordre d'idée du thème. Donc, opportunité, occasion. Les occasions sont comme des trésors et c'est lorsque vous les cherchez, que vous êtes à l'affût, qu'elles se dévoilent. Votre intuition vous servira de boussole pour les débusquer et savoir si elles vous sont bénéfiques ou non. Avec cet état d'esprit, vous vous rendrez compte à quel point les opportunités peuvent être nombreuses et peuvent se présenter de façon récurrente dans tous les domaines de votre vie. Plus vous leur porterez d'attention, plus elles seront nombreuses. Partez en quête et ouvrez l'œil des opportunités, et ouvrez l'œil, car des opportunités n'attendent que vous. Voilà. C'est juste magnifique, j'adore. C'est mon coup de cœur de fin d'année. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment. D'ailleurs, là, elle a créé sa maison d'édition et je trouve que c'est pas mal. Déjà, c'est un sacré boulot, je pense, et un sacré investissement, à mon avis. Et du coup, bah, elle va donc être partenariat, si je puis dire, avec d'autres créateurs pour créer d'autres oracles. Je pense qu'il y aura moins d'exemplaires, mais ils seront plus authentiques et il y aura plus de travail. Et comme elle le dit également, plus de rémunération. Parce que l'argent ne contribue pas, contribue au bonheur, mais ne fait pas forcément le bonheur, mais il y contribue. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses positives, j'ai rien dit de négatif, je suis pas payée pour ça, j'ai rien du tout. Mais c'est vrai que c'est un sacré coup de cœur là, ces cartes, cet oracle, c'est le premier que je me suis offert, le premier de Célia que je me suis offert. Et vraiment, je regrette pas du tout quoi. Je crois qu'il est aux alentours de 30 euros. Alors vous ne le trouvez que sur son site internet, hein, il n'est pas en vente dans des magasins physiques. Il n'est en vente que sur son site internet. Alors, ensuite, du coup, dans ma lancée, j'ai également acheté la deuxième édition de l'Oracle des Haïkus. Donc, Célia a fait les illustrations. Donc, si tu veux que je te le présente, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire et je me ferai un plaisir de te présenter cet oracle qui est aussi une petite pépite. Cela étant, bon, c'est pas du tout la même chose, mais j'ai vraiment une grande préférence pour cet oracle. Il est subtil, il est distingué, il est soigné, il est vintage, il est voluptueux, ouais, il est magnifique. Les cartes en plus, le dessus des cartes, enfin les cartes en elles-mêmes, parce que même le dos d'ailleurs est pareil, est doux comme du velours. Il est magnifique. Je te le conseille. Et là, je pense à déjà 2-3 personnes à qui cet oracle plaira, c'est sûr. Allez, on va finir sur cette carte qui représente l'intergénérationnel, l'amour intergénérationnel. Je vais y arriver, merci. Entre une petite fille et sa grand-mère, la mère au-dessus et le grand-père à côté. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de votre cœur et de votre corps. Et surtout, ayez foi.